c'est la manière, il n'y a pas de problème. C'est dans ton sens, ça risque d'être très turbulent en l'air. C'est parce qu'en fait, le vent n'est pas vraiment stable. On a des rafales, donc. Surtout si on vole à deux plus le chien. Bah alors, oh, il n'aime pas le tirnet. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, je vous avais pas fait de vidéo dessus parce qu'en fait, il faisait pas très beau et il y avait vraiment, vraiment beaucoup de vent. Je vous laisse regarder. À droite, penche à droite, à fond. Avec le poids, avec tout le poids, tout le corps. Vas-y, tourne. Voilà, parfait. Et en fait, du coup, surtout, j'étais pas avec mon petit Kiki, hein, ça m'en perd. Et là, par conséquent, eh ben, on va se diriger vers une piste d'envol de parapente. Et je vais faire du parapente avec Sherlock. Parce que j'avais vraiment, vraiment très envie de le faire. Et vu qu'il est curieux comme tout, bah, j'espère que ça va te plaire, mon petit Kiki. Tu vas pas avoir peur. Normalement, non. Oh là, déjà, il se barre. Puis le truc, c'est que là, bah, il a un harnais. Et Sherlock, il n'est pas très habitué à être avec des harnais, des colliers et tout, puisqu'il est constamment en train de courir en liberté, etc. Allez, on laisse passer le bus, on est sympa. Vas-y, mec. C'est parti. Un petit peu de vent, d'accord. Pas trop non plus, mais ça va. Disons qu'on va être à deux sur le parapente. Donc on va dire, allez, 150 kg plus le chien, une portée sur 160 kg. Si, ça va. Il y a du vent, mais là pour l'instant, c'est en train d'attendre tranquille. Donc voilà la piste de décollage. Voilà. Ah, il y a Dirk qui est là. Donc là, tu vois déjà, si les mecs ils volent tout seuls et que ça attend, c'est qu'il n'y a pas tant de vent que ça pour le moment. Allez, on va lâcher Sherlock en espérant qu'il ne foute pas le bordel et qu'il aille pas sur les voiles. On a toujours besoin d'un vent laminaire, ça veut dire qu'entre 10, 15, 20, ouais. Si c'est laminaire, il n'y a pas de problème. Donc même s'il y a un peu de mouton sur la mer, tout va bien. Mais le problème, c'est que de temps en temps, il y a des différences de couleurs. Il y a les ghosts, les rafales. Et ça c'est pas très bien. Pour d'accord. Parce okay. que ça donne beaucoup de mouvements en l'air, turbulence, et c'est pas trop agréable. Ouais. Et en plus, dans ton sens, ça risque d'être très turbulent en l'air, donc on peut avoir des fermetures et tout ça. On a toujours à la recherche d'un vent laminaire constant de 15, maximum 20, 25. Mais là, c'est pas très régulier. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça va s'améliorer et qu'on va pouvoir voler. J'espère. On a des rafales, donc comme le disait Dirk, tu vois, en fait il y a des moutons sur la plage, c'est les petites taches blanches que tu vois sur la mer, donc ça c'est le vent qui pousse, mais il y a aussi des rafales. Les rafales, ça se voit par les taches noires en fait que tu as, et ça c'est pas très bon. En gros, ce qu'il faut, c'est avoir un vol sûr et du coup stable, surtout si on vole à deux plus le chien, où forcément ça fait du poids. En attendant, Sherlock, il cherche les bêtes. Wolfgang, möchtest du dein Instrument nicht haben, im Fall, dass du startest, ohne zu willen? Ich will nicht starten. Ah, okay, dann müsste A und C sein, hein? Ja. Le premier vol avec le chien, hein mon petit toutou, hein, il va voler. Tu vas voler Kiki, tu vas pouvoir voir tout ce qui se passe ici. Tu vas pouvoir tout mater, les petits chats, tout. La dernière fois j'ai vu un petit chat en plus, mais oui, hein.
je le rééquipe un peu comme tout à l'heure, Sherlock. Ouais. Ok. Ça va être sans vide. J'avais un peu peur que ce soit un petit peu plus dur à mettre en place. Et bah au final, voilà, on l'a fait avec Dirk. Salut. Voilà. Ouais. Dirk qui m'a vraiment aidé à organiser ce projet. Et c'était pas évident à faire. Et franchement, bah, je peux que vous conseiller de voler avec lui. Parce que même si des fois c'était possible, il m'a dit non, en fonction de la météo ou quoi. Mais là, bah voilà, là on est là et on vole. Et Sherlock, il mate tout ce qui se passe. Met de afschaduw kan het zijn dat het wat minder wordt, als het meer afschaduw is. Ça va? Ouais, super. Franchement super. Vraiment... Thank you.
presque là. Ok, on va se mettre debout. Ok. Debout. Okay, voilà, c'est bon. Allez, on y est. Recule, stop. Reste là. Pas bouger, Kiki. C'était bien? T'as kiffé? Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. On va vite se déséquiper, parce qu'on n'a pas trop loin d'atterrir sur la plage. Ok, on met la caméra? Tiens, allez. Au revoir. Allez, à plus tard. Alors, mon Titi, Titi, comment? Il est sur la terre ferme? Ça n'a pas l'air de t'avoir rendu ouf, hein, mine de rien. Il était tout calme. Bon, je lui propose pas de l'aider, c'est plus lui qui bête qu'autre chose. Allez vite, hein. On se sauve.